Là, c'est elle n'était pas présente. c'est la maman qui le dopait à l'époque. Elle Voilà, était tout c'est le temps là. C'est elle qui le poussait, on le voyait. Il boxait pour nous tous, mais il boxait aussi pour sa maman. Elle ratait jamais, hein. Elle ratait jamais les combats. Elle a raté Deux deux combats. combats et deux défaites. Tu as perdu. J'ai perdu deux combats sans que la Hadja était là. C'est elle n'était normal. pas présente. Il était l'idole de nombreuses générations de boxeurs. Il avait la classe des grands du noble art, à l'image du grand Mohamed Ali et de Marvin Hagler, champion du monde à l'époque, qu'il avait d'ailleurs croisé un certain 16 février 1980. La légende Losif Hamani vient de nous quitter à l'âge de 71 ans, suite à une longue maladie, la maladie de Parkinson, comme son idole d'ailleurs, Mohamed Ali. Hamani avait reçu les Gants d'Or d'Afrique pour l'ensemble de sa carrière. Il était né le 15 mai 1950 à Ait Yahia. Losif avait été sacré champion d'Afrique des super welters deux fois de suite, en 1976 et 77, aux dépens respectivement de C. Robinson et Simon Berek Refoy. Hamani titouera le plus grand, à l'image de l'Américain Marvin Hagler. Il ne tiendra d'ailleurs que deux rounds. Après 27 combats, 24 victoires, 13 par KO, il finit par jeter l'éponge dans son dernier combat face à la maladie, après avoir lutté pendant plusieurs rounds. Le champion nous quitte, finalement, à 71 ans. Il sera enterré dans son village natal, Dikoufef, aux côtés de ses parents. Adieu, champion. Alors, c'est quoi cette histoire avec le prénom Losif? Ben, le prénom Losif, ça veut dire Losif, ça veut dire noir. Très bien. Deverken. Deverken. Oui. Alors, ma mère, elle a perdu 5 enfants. Très bien. Maladie enfantine, la rougeole, la diarrhée. Mon père n'avait pas les moyens d'acheter des médicaments ou d'appeler un médecin. Oui. Alors, c'est des œufs, alors on mettait. Contre le mauvais œil. Contre le mauvais œil, mais quand ils arrivent à l'âge de 3 ans, 4 ans, ils meurent. Alors là, quand j'étais enceinte de. Ma mère était enceinte de moi, on lui a dit il faut l'appeler Losif. Losif. Pour le mauvais œil, pour tout. Ils m'ont prénommé Losif sur les papiers. Et ça avait réussi. Et ça avait réussi. Pendant 15 jours, je faisais que de pleurer. Pleurer. Puis il y a ma tante qui arrive à la maison. Elle a dit à ma mère le prénom Losif, ça ne lui plaît pas. Il faut changer Lounis. Lounis. Et ils m'ont prénommé Lounis et j'ai arrêté de pleurer. Ah, donc Lounis et Losif. Lounis, j'ai deux prénoms, Lounis et Losif. Très bien. C'est voilà. Un peu comme Lounis et Mengelet qui voilà, est la même. Voilà. Donc un prénom pour vous sauver et un autre pour vous faire arrêter de pleurer. على خاطر لوسيف شرحت مي هذا مشطوح الخدمه كا قاطاش الحفله ديال فرنسا زيكني يما شاك نسى تساوي سيد مشطوح قني يحمل هذه شطح يحمل هذه زال الحفلات يما كني لو كني سوق نسمي لي مره نسمي زرا سوبون زرخت كا كيف زرا غيتسولا البوكس كني